Et comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. C'est Ludo, on se retrouve pour une petite vidéo sur Black Ops 3. C'est particulier. En ce moment, ils ont mis une nouvelle mise à jour sur BO3. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué à BO3. Pour vous parler un petit peu de la mise à jour, de ce qu'ils ont fait. Je sais pas si vous avez entendu parler déjà. Donc il y a eu une nouvelle mise à jour, je crois qu'elle s'appelle la 1.2, je sais plus combien, 1.2 quelque chose, enfin bref. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu les nouveautés. Donc comme vous pouvez voir, on est sur la map Redwood. Il y a un petit peu de neige comparé à la forêt d'habitude. Ça reste la même map, ils ont juste changé le skin. Donc voilà, comme vous savez, World War 2 est un peu décédé. Oui, World War 2 est un peu décédé, donc Treyarch est là pour réanimer la franchise de Call of Duty. Ils sont là, toujours à la rescousse. Le jeu a 3 ans quand même. Hein. BO3 pour ceux qui ont joué. Oh là là, flashé. World War 2 est dead, donc Treyarch essaie de sauver la franchise parce qu'ils sont un peu bouffés par Epic Games. Epic Games, c'est la... le concepteur de Fortnite. Battle Royale qui domine le gaming en ce moment. Donc dans cette mise à jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste modifié la map. J'ai un shoot de poney, c'est ma première game, je sors du sport là. Ils ont rajouté Redwood en snow, ils vont rajouter deux armes dont je vais vous décrire les armes, lesquelles c'est. Alors comme vous savez, il y a la Gali, la PPSH, ils aiment bien faire des armes rétro. Donc la première arme, c'est un sniper. C'est le sniper XPR50, je crois, qu'on a connu dans BO2. Le XPR50, je sais pas si vous vous rappelez BO2 pour ceux qui ont joué. C'est le sniper qui tire un petit peu en auto à rafale très rapidement, pas comme le SV, je sais plus comment là, le SVT je crois il s'appelait. Bref, j'ai pas trop joué à Black Ops 2, mais en tout cas je savais qu'il y avait ce sniper, le XPR. Avec le balista, c'était le mieux. La deuxième arme, c'est le mercenari AR, ils appellent ça, et je crois, si je ne m'abuse, que c'est la M27. Pas celle de Ghost, la batteuse, celle de BO2 encore. Avec le fusil d'assaut, pour ceux qui s'en rappellent. Un beau fusil d'assaut M27 qui était très très bien d'ailleurs. Bon, je joue beaucoup avec la SCAR, la M. Donc la N94 est déjà dans le game, on le sait. Donc voilà, le XPR et la M27. Franchement, j'ai hâte de choper la M27. J'ai jamais eu aucune arme DLC sur son compte, à part le China Lake. Je sais plus si vous avez vu ma vidéo où je fais une ouverture. Donc voilà, Red Snow, les deux armes. Ils vont rajouter aussi des camos pour les armes, des camos pour les spécialistes. Ils vont rajouter... qu'est-ce qu'ils ont rajouté d'autre aussi? Parce qu'en même temps, j'ai le patch note. Je vais vous mettre le lien dans la description, pardon, de ce qu'ils ont fait. Il y a un nouveau mode de jeu aussi, très important. C'est un des points les plus importants. Treyarch n'a jamais fait de mode infecté dans leur jeu, que ce soit en Black Ops 2, Black Ops 1. Je sais même pas si c'est Treyarch qui a fait Black Ops 1. Je pense que si, je vais pas dire connerie, mais je pense que oui. Donc, il y a le nouveau mode infecté dans Black Ops 3. Si vous vous dites... putain, mais il n'y était pas déjà? Non, il n'y était pas. Il était dans Infinite Warfare, il n'y est pas dans... mais je le savais. Il me l'avait mis comme il faut. Putain, ça bugue là, hein, parce que là, je le voyais en couleur alors que c'était un holo. Donc voilà, infecté, deux fusils, deux nouvelles armes, pardon. Deux nouvelles armes. La même map Redwood Snow, donc pas de quoi s'affoler, mais c'est surtout pour que vous compreniez en fait que World War 2, bah, c'est terminé. Hein. Enfin, c'est terminé pour ceux qui y croient encore, je veux bien que vous y croyez. Mais...
Mais bon, Treyarch vient à la rescousse de Call of Duty parce que tout le monde est sur Fortnite, tout le monde est un peu partout. Mais ils sont pas sur Warlord 2. Je sais pas ce qu'il faisait lui, mais je sais qu'il y a un petit bug au niveau de la map. Donc voilà les gars, dites-moi si vous y jouez toujours à BO3, si vous voulez que je vous mette des vidéos de BO3. Sachez que j'ai passé beaucoup de temps, pas sur ce compte, mais sur l'autre compte. Donc dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos. Et voilà, je vous mets le lien dans la description de la mise à jour. Donc la nouvelle map, Red Boot Snow, il y aura un événement qui va s'appeler Snowblind. C'est un événement comme sur World War 2, comme Résistance, tout ça. Ça, je voulais pas dire aussi. Donc l'événement s'appellera Snowblind. Il commence je sais plus quand, je crois qu'il commence ce soir. Ou peut-être plus tard. Mais en tout cas, il va avoir lieu. Des nouveaux skins pour les spécialistes, pour les armes, deux nouvelles armes, la M27 je pense, je veux pas dire, je suis à 50% sûr, elle s'appelle la Mercenary AR et le Sniper XPR50, Sniper semi-auto de BO2, deux armes de BO2 et le game mode infecté. Voilà les gars, bonne journée.